sûr. Salut à tous! Yo, ça va ou quoi? Venez, 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 on est parti pour la séance. Bonjour Océane! Bonjour Quentin, c'est drôle, c'est drôlement écrit ton blaze. Q-A-N-T-I-N. C'est drôle. Aujourd'hui, séance, vous avez capté, comme d'habitude, on va aller chercher Hakim. Hakim qui finit sa séance sur la source à l'instant et qui réenchaîne, c'est un ouf lui. Lui, il enchaîne deux séances d'affilée. Ça va, vous êtes chaud? Merci à tous, d'ailleurs ceux qui ont suivi le marathon, j'en profite pour vous remercier de ouf, parce que vous avez été incroyables, tous ceux qui étaient là, ceux qui ont fait des dons, plus de 400 000 euros pour les hôpitaux de France, c'est monstrueux à vivre, mais faut pas non plus se laisser, voilà, t'as compris. Donc voilà, là c'est parti, on va aller chercher Hakim, on va voir si Hakim, peut-être que Hakim n'est pas encore prêt car il enchaîne de ouf. Ah si, direct il m'a fait une demande. Si, 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 il a fait une demande. Allez, c'est parti. Maxence qui est là, oui, ça fait plaisir. Il y a ma fille aussi qui va peut-être faire la séance aujourd'hui. Tu veux dire coucou? Allô? Salut Hakim! Ça va? Ça va ou quoi? Il y a ma fille qui veut faire la séance avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc il faudrait que tu t'adaptes, tu fasses une séance pour une personne de 4 ans à peu près. Ok, aucun souci. Bah, c'est ce que je fais tous les jours, non? Salopard, salopard. Bon, et moi, mec, t'enchaînes, t'es ouf, t'étais en train de faire une séance, là, t'enchaînes direct. Non, c'est pour ça que je t'ai vu apparaître sur l'autre live. Je t'ai demandé si je pouvais avoir une minute en plus. Mais oui. J'ai même pas eu le temps de changer de t-shirt. Je suis en nage, mais c'est pas grave. On est confinés, on n'a rien d'autre à faire, donc c'est trop bien. On est là pour ça. T'es prête ou pas? T'as vu, t'as dit bonjour à Hakim. Et comment s'appelle la princesse? Elle s'appelle... Stella. Bon, bah voilà, j'allais faire une blague, mais elle a dit la vérité, pure et dure. Je me suis dit, oh là là, quel père ingrat. Vous étiez en train de chercher un nom, j'ai cherché Tartiflette Mega Drive, mais c'est pas possible comme prénom. Stella, elle a dit. Ouais, Stella, elle s'appelle Stella. Enchantée, ouais. Stella. Bon, t'es prête à faire du sport avec nous? Oui. Super. Alors, regarde, c'est très très simple. La séance d'aujourd'hui, j'ai encore une fois donc réfléchi aux précédentes séances qu'on avait fait ensemble. Ok. Je me souviens bien, toi, t'avais eu des Tabata uniquement jambes. Ah ouais, jambes, la dernière fois, tu m'avais cassé les jambes et les fesses aussi. Hein. Mix des deux. Ok, ok, jambes, très bien. Nickel. Ok, ça ok, ça roule. J'en mets. Au top. Stella, ça te va? Oui. Ok, okay. Regarde, tu sais quoi? Donne-moi juste 10 secondes, je vais juste boire un petit verre d'eau. Mais... Vas-y, je parle aux gens comme ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, t'inquiète, je parle aux gens comme ça. Allez, let's go, je prends un petit verre d'eau et c'est bon. Ok, ceux qui est là, qui est là, qui est chaud? Est-ce qu'on peut faire juste 10 pompes, dit Maxence? Non, on va en faire à mon avis un petit peu plus. Ça va faire mal, mais comme d'habitude, ça fait du bien. Il y a aussi Tiffany, ma femme qui est là. Tu nous suis ou pas? Oui. Tu veux dire bonjour? T'as envie de dire bonjour quand même. Regarde, on est en direct avec un pneu, les gars. Putain, les gars, c'est le premier direct avec un pneu de France. Coucou. On va faire la séance en famille. pas besoin de matos, pas besoin de grand-chose, juste une tenue de sport, éventuellement un tapis de sport, prenez un peu d'eau et on est parti ensemble. Ça va durer à peu près en tout 45 minutes, une heure, peut-être qu'on fera des questions-réponses. Tu veux de l'eau, Pipika? Bah, va t'en chercher. Mon père, okay. Range tes écouteurs. Salut Hakim. Hello. Ça va? Il y a Tiffany, t'as déjà vu ma femme? Vous êtes déjà vu ou pas? Non, on s'est jamais vu. Baisse-toi, t'es pas dans le champ, mon cœur. Voilà. Non. Je sais plus où vous êtes vu. Non, on s'est jamais vu. Ah, on s'est jamais vu, ok. Bah, j'ai ma tenue de sport, je suis à côté. Elle va suivre le cours aussi en direct. Avec grand plaisir. On est en famille. On est en famille. Courage, mon cœur, ça fait mal. Ouais, je sais. Ça fait très mal. Alors, attends. Vas-y, à Hakim, allez, il est sur cette petite. Il est dans son comportement. Marina, je t'embrasse. Merci. Elle te fait des bisous, Marina. Ah bon? Ouais. J'ai ma playlist spéciale Big Flo Oli, je suis prête, nous dit Justine. Ça, c'est cool. Ouais, bisous, ouais. C'est bon? Ouais, j'espère bien que tu vas tout donner. Ok, sachant que je ne connais absolument pas ton niveau, donc je pars du principe que. Elle gère très très bien, elle est très forte. Bon. Mais... Ok. On va se faire un petit échauffement quand même avant d'attaquer. Alors pour que tu puisses connaître un petit peu la séance, comme je t'ai dit, on va partir sur des Tabata qui seront mixés entre le bas du corps et le haut. On va travailler donc tout l'ensemble du corps. Et il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices, donc 6 Tabata. Ok, ouais, avec sur le dernier Tabata une petite surprise et ça sera à la guise de chacun, mais je vous expliquerai sur la fin. Ça sent le burpees là. La surprise, ça rime avec burpees. Non, la surprise, c'est même pas les burpees. Vous verrez, franchement, j'en appelle à votre bon sens. Vous verrez. Okay. On est bon? Ok, on part juste sur un petit échauffement, un petit peu comme d'hab.
Stella, allez. Tu vas te mettre en place avec nous aussi. Ouais. Mets-toi là, vraiment, mon cœur. Tu te mets ici avec moi. On va se mettre là. Allez, vas-y. Allez, let's go. On se fait quelques mouvements, un peu comme si on faisait du hula hoop. Imaginez que vous avez un cerceau autour de la taille et on part sur des petits mouvements d'ondulation. Voilà, perfect. On fait tourner les hanches. On assouplit un peu le tout. On part dans l'autre sens. T'inquiète pas, c'est pas un short de pyjama que j'ai. J'étais en train d'analyser depuis tout à l'heure. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a en bas? J'arrivais pas à voir. Il est au sale, mon short de sport, parce que je fais du sport presque tous les jours, Hakim. On est en famille, on est en famille. C'est peu importe. T'inquiète pas, je ne juge pas les affaires des autres. Moi, j'ai le même caleçon depuis le début du confinement. Voilà, c'est dit. On fait tourner un peu les bras. Tranquillement. Et on va les faire tourner dans l'autre sens pendant une dizaine de secondes. Allez, dans l'autre sens, mon gars. 10 secondes. Ah, là, comme ça. On assouplit un petit peu les bras. On évitera de se faire mal. Ok, mains sur les hanches. On fait tourner la tête. La tête. Voilà. On fait tourner la tête. Encore une fois, on assouplit la nuque. Ceux qui étaient avec moi sur le premier live et qui n'ont pas eu le temps de faire ma première séance, sachez qu'on vient de commencer. Tournez la tête dans l'autre sens. On vient de commencer la séance avec McFly. On n'a pas encore attaqué. On est en phase d'échauffement. Et on va partir en petit step, tranquillement. On va jumper. Voilà. On va se faire ça pendant 20 secondes. C'est très, très simple. On essaie d'avoir une amorce qui est souple. Okay, on essaie de ne pas casser le plancher. On est souple sur les jumps. Il reste 10 secondes. Il y a l'armoire, elle est toujours là, hein, l'armoire. Ouais, je vois ça. Je vois ça, l'armoire du monde de Narnia. 5 secondes. 4 secondes. 3, 2, 1. Et on part sur l'avant. Imaginez que vous avez un adversaire. Voilà, exactement. Tu vas le chercher en avant. Allez, on va chercher en avant. Allez, c'est là, en avant. Allez, et vous êtes souple sur les jumps. Encore 5 secondes. Et on va switcher de jambes, switcher de côté plutôt. 3, 2, 1, et vous switchez. Voilà, vous mettez de l'autre côté. Et on tourne. On dirait un début de jeu de vidéo. Exactement. Là, il va faire 3, 2, 1, fight. C'est exactement ça. 5 secondes. 4 secondes. 3, 2, 1. Montée de genoux. Allez, 15 secondes de montée de genoux. Et après, on attaque la séance. Promis. Allez, on s'échauffe un petit peu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et OK. Allez, okay. Une petite mise en chauffe. Alors, je vous explique le principe de la séance. Attends, excuse-moi, je lis un commentaire au hasard. Et c'est l'arbitre qui dit « Waouh, comment t'as maigri ?» Putain, c'est fou, au hasard. Gros. Au hasard, putain. C'est fou comment le hasard t'arrange bien en ce moment. Bah, c'est pile, hein. C'est pile, ouais, non, mais c'est… OK. Bon, je vous explique. Le principe de la séance, c'est qu'on va effectuer donc une multitude de tabata. J'aime bien les tabata parce que c'est rythmé. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 8 fois, on ne se prend pas la tête. Vous savez que pendant 20 secondes d'effort, 20 secondes, vous devez activer, 10 secondes, vous n'avez rien à faire. Et je vous explique, il va y avoir deux exercices. Donc, à chaque fois, chaque round, il va falloir faire quelque chose. Le premier exercice, les 20 premières secondes, le premier round, c'est le jumping jack, mais on essaie d'être rapide quand même, OK? OK. Et le deuxième exercice, elle va bien Stella, t'es sûr? Oui, nickel, elle s'est étouffée, tout simplement. OK. Le deuxième exercice, vous devez tout simplement rester dans cette position. Un peu comme le AK des rugbyman. Je veux surtout que vous ouvriez vos jambes, vous ouvriez vos pieds, et les genoux partent dans la direction des doigts de pied. OK? Et vous restez en position basse. On est bon? Vous restez dans cette position. Donc, une fois jumping jack, une fois le AK. OK. Jumping jack, AK. On est bon? OK, on est chaud. Vous êtes chaud ou pas là dans les commentaires et tout là? On va attaquer. Je sais pas. Moi, j'arrive plus trop à voir les commentaires. Si, tout le monde est là. Tout le monde est chaud. Perfect. Lucas Dubois qui veut une dédicace. Je lui fais une dédicace. Je lui fais une petite dédicace. On est plus de 14 000 personnes. C'est beau ça. C'est beau ça, c'est un bon score les gars. Merci à tous, ça veut dire que vous êtes chaud, vous êtes motivés. Allez, vas-y, on donne tout. Allez, on envoie. Ok, let's go pour le premier Tabata. Vous n'avez aucune préoccupation. Je vous dis quand est-ce qu'on s'arrête et je vous dis quand est-ce qu'on recommence. On est bon. On attaque dans 5 secondes sur les jumping jacks. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On enchaîne des jumping jacks. Étant donné que c'est 20 secondes,
On peut y mettre un rythme quand même. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop, on respire. Okay. Le prochain, c'est le haka. Vous allez rester en position de haka comme si vous étiez un rugbyman. 3, 2, 1. Allez, restez comme ça. Voilà. Enfin, comme ça, avec les bras. C'est là, faire comme ça. Ça travaille les épaules comme ça quand vous avez les bras levés. Ah la vache, il fait mal celui-là, non ? Ah, il fait mal aux cuisses. Il fait pas mal là-bas. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top, on respire un petit peu. Allez. On va enchaîner sur le troisième round dans 5 secondes. On repart sur les jumping jacks. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, du rythme, du rythme. Allez, on met du rythme, on met du rythme. Allez, on ouvre les jambes, on ouvre les bras et on accélère, on accélère. 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. On respire. On va enchaîner sur le haka, sur le quatrième round. 3, 2, 1 et let's go. Je me mets en arrière un peu. Voilà. Essayez de décoller les coudes. Les coudes sont à la hauteur des épaules. Ça va chauffer comme ça, les épaules. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et top. Ah, je dois avoir un air bien con sur les screens. Ouais, à mon avis, on peut croire à un bug. 3 secondes. 2, 1, allez, c'est reparti. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Allez. On est au premier Tabata. Ouais, tu peux le faire en deux temps. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. On est au cinquième round. Il nous en reste 3. Allez, ça passe tout seul. Ça passe tout seul le premier. Ça passe tout seul le premier. Toujours. 3, 2, 1, AK. Essayez d'avoir les coudes à hauteur des épaules. Si t'as mal au cœur, tu arrêtes, hein, d'accord ? Voilà. Et imaginez qu'il faut absolument pas bouger. Stella, accroche-toi avec nous. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Il nous reste 2 rounds. On remonte. Allez, 2, 2. Jumping jack. Fais une pause, mon cœur, si tu peux plus. 3, 2, 1. Let's go! Allez, c'est parti! Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne! Allez, c'est l'avant-dernier! C'est la dernière fois qu'on fait les jumping jacks! Vous pouvez mettre la gomme! 8 secondes! 6 secondes! 4, 3, 2, 1, stop! On respire! Il va y avoir le haka pour terminer! 4 secondes! 3, 2, 1, let's go! Et on reste en position. C'est bien, Stella. C'est bien, mon gars. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et. Arrête, si ça fait mal, mon amour. Ok. Stella, elle m'a glissé. Stella, elle m'a glissé. Aïe, à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça commence à brûler. Si c'est que sur la fin, c'est bien. Elle fait comme son papa, hein, remarque. C'est que du mimétisme. Hein. Ouais. Ok, je laisse un petit peu le son. C'est bon, vous êtes chaud là ou pas? Ça se passe comment pour vous pour l'instant? J'espère que ça va de votre côté. On est sur le premier Tabata pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On c'est a facile. Passé un premier Tabata tranquille. Le deuxième, il est franchement plus corsé. On va voir. Mais oui, bien sûr. On va attaquer dans quelques secondes. On va dire qu'on se laisse encore 40 secondes de break. Allez. Je vous annonce quand même la thématique du prochain. Un round sur les squats, un round sur les pompes. Là, on est sur du guerrier. Ok ? Salut Stella, encore une fois. Je vous explique. Les pompes, ouais. Si jamais vous n'y arrivez pas, faites-les sur les genoux. Ok ? Aucun souci pour moi. Les squats, je vous demande quand même de les faire de manière propre, c'est-à-dire avoir une amplitude qui soit suffisamment correcte, les hanches en dessous des genoux et vous poussez jusqu'à extension totale. Vous écrasez le sol avec les talons. On a bien sorti, dos bien droit. On a Cyprien qui est avec nous et on a Kev Adams qui est là, qui nous dit position Koh-Lanta très dur.
Ah, la position Koh-Lanta, elle n'est pas si facile, ouais. Je sais. Mais c'est que le début, Mister Kev. Tu vas voir si tu tiens jusqu'au bout. Ça va être un peu plus que Koh-Lanta, là. Là, oui. On est bon, là? On enchaîne? Vas-y, on est chaud, nous, on est chaud. Alors, let's go. Squat pompe. Allez, personne ne doit arrêter. Si vous stoppez, aucun souci. Mais personne ne doit abandonner. Okay, Stella, on compte tous sur toi, là. Allez, on enchaîne. On attaque par les squats. Et on attaque dans 5 secondes. 3, 2, 1, let's go. Allez, c'est parti. On enchaîne sur les squats. Ah, la poitrine bien sortie, le dos bien droit. Vous écrasez le sol avec les talons et vous effectuez un maximum de squats sur ce premier round. Et il reste 3, 2, 1 et top. On respire, 10 secondes de pause avant d'enchaîner. On va partir sur les pompes. C'est dur. Dans 3 secondes, 2, 1. Allez, c'est parti. Faites-moi les pompes sur les genoux si jamais vous n'y arrivez pas. Allez, on respire. La poitrine doit toucher le sol. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Allez, on se remet debout. 5 secondes avant de repartir sur les squats. Alors, donne tout. 3, 2, 1. Let's go. Allez. On enchaîne. Allez, on accélère. Il reste 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. On part sur les pompes. Dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti tout le monde. Maximum de pompes. Allez, on craque pas. Il reste 10 secondes. Poitrine au sol. Vous pouvez poser les genoux au sol. 5, 4, 3, 2, 1 et top. On est à la moitié. Pose les genoux, c'est pas grave. 5 secondes. Allez, on enchaîne, les gars. Pour les pompes, vous pouvez rester en gainage si jamais. Let's go. Allez. Cette image, les gars. J'aurais jamais cru faire ça dans ma vie. C'est beau ça, le sport en famille. Quelle belle image. 5 secondes. 3, 2, 1 et top. On repart sur les pompes. Allez, on donne tout. Allez, ne cassez pas. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, ma frère. On est au 6e round sur 8. Allez, on craque pas. On enchaîne. Maximum de pompes. Il reste 6 secondes. 2, 4, 3, 2, 1 et top. On respire. Il nous reste 2 rounds. On repart sur les squats. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez. En rythme, mon cœur, oui. Ah là, quel synchro. Miafraï des squats. Il reste 9 secondes. Allez, 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et top, il reste les pompes. Allez, il reste le dernier. Ouais, c'est le dernier. Pour les pompes. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Allez, faites-moi des pompes comme jamais vous n'en avez fait. C'est le dernier round avant la pause. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la vache. 1, et 1. Ok. Ça fait du bien. Ok, petite pause. Celle-là, elle nous a rentré. On est rentré dedans avec celle-là. C'est bien, là, voilà. Okay. Allez, alors, j'ai une question là pour vous, la famille. Vas-y. Enfin, vous, la famille qui est en face de moi, dans le sens où, parce que la famille, ça faisait un petit peu. Ouais. Est-ce que vous avez une chaise ou un banc que vous pouvez utiliser ensemble ou pas? Parce qu'il va y avoir des dips. Comme ça, sinon, je vous donne une alternative.
Non, bah là, on a un truc pour faire du step. On a ça, là. Ça, c'est pas mal, là-bas. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok, parfait. Pour faire les dips, ça va. Okay. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Alors, le prochain exercice, c'est la chaise. Mais il y a une chaise qui est un peu différente de celle qu'on fait d'habitude. Il va falloir faire une chaise sur une jambe. Ok. Donc, l'idée, c'est que il va falloir faire la chaise. Donc là, je sais pas si vous me voyez. Ouais, très bien. Il va y avoir une jambe là. Vous voyez qu'il y a une jambe qui est surélevée. Wow. Elle reste comme ça. Ok. Et ensuite, on part sur les dips. Et à la prochaine chaise, on change de jambe. Oh la vache. On va faire ça. Mais comment tu fais à chaque séance, tu nous sors un nouveau truc, quoi. À chaque fois, je me demande comment modifier. Tu sais comment on appelle ça en Tunisie, on appelle ça une shakshuka. Autrement dit, un mix de plein de trucs. Exactement. Ça vas-y. Oh la vache. Voilà, on fait ça. Tu te mets là-bas pour les dips. Ouais. Toi, là, tu te mettras là. Et moi, je me mets là. Allez. On commence par la chaise, ça vous va? Vas-y, attends deux secondes, il faut que je vérifie mes dips, deux secondes. Ouais, c'est bon, je peux les faire. C'est bon? Ok. Okay. Alors, on attaque sur chaise, jambe droite surélevée. Ok, vas-y, mets-toi contre l'armoire, c'est l'armoire qui permet les chaises. Allez, mettez-vous en place, tout le monde. J'espère que vous êtes toujours là. Tom. Oh punaise. On a failli assister à un meurtre avec deux personnes. Ok, alors non, vous savez ce que vous pouvez faire. Il y en a un qui fait les dips et l'autre qui fait la chaise. Non, mais c'est bon, c'est bon, on l'a trouvé. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bon, je me mets de l'autre côté. Il a failli avoir un meurtre en direct là. Ok, on attaque. Vas-y. Dans 8 secondes, jambe droite surélevée. Ok. Bah, t'es plus là alors. 3, 2, 1, let's go. Vous levez la jambe droite. Ah oui, la jambe droite. Jambe droite surélevée. Oh, c'est terrible. Vous restez la jambe bien tendue. Elle doit être loin du sol. 4, 3, 2, 1, stop. Oh la vache. Okay. C'est bien. Allez, hey, gars, position de dips. Il est bien celui-là. Putain, il est fou. Allez, position de dips. 3, 2, 1. Let's go. On part sur des dips. Je me mets ici pour que vous puissiez voir. Allez. Flexion des bras. 10 secondes. On enchaîne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Ok, on part sur la chaise, jambe gauche surélevée. 4, la chaise, une jambe, t'es un ouf, putain. 3, 2, 1. Let's go. Vous levez la jambe, regarde comment elle est surélevée, la mienne. Il faut que tu puisses tenir. Non, mais t'es un ouf. Allez, on tient. Oui. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Oh. Ok. Ah, oh, t'es un ouf. On repart sur les dips. Dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour le quatrième round. Quatrième round. Maximum de dips. On fait péter les bras. Allez. Gardez une posture bien droite si vous le pouvez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top. On repart. Jambe droite surélevée sur la chaise. Ah, ça se fout de notre gueule dans les commentaires. Ah bon? Let's go, c'est parti. Bravo, bébé. Jambe droite. Allez, Stella, avec nous. Moi aussi, ça brûle, là. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et top. Oh, okay. Oh la vache. J'arrive pas du tout, tu arrives toi? Ouais, j'arrive. Oh, c'est chaud. Allez, on enchaîne les dips. C'est parti. Allez, on enchaîne les dips. On pousse. Allez, respirez, pensez à votre respiration surtout. C'est très important, il vous reste 7 secondes. Il reste 6 secondes. 5, 3, 2, 1, top. On repart sur la chaise. C'est la dernière chaise.
Jambe gauche. 3, 2, 1. Oui, l'autre. Je sais plus quelle jambe j'avais fait d'ailleurs. Il reste 8 secondes. Tends la jambe, tends la jambe, McFly, tends la jambe. 3, 2, 1, top. On enchaîne sur les dips pour le dernier round. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on envoie, on envoie, on envoie. Allez, courage, courage, courage. 8 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Eh ben, j'ai un nom pour ta chaise là. Ta chaise, la... ta chaise électrique. Hop, pas mal. Faire. Chaise électrique, ok, pas mal, sympa. T'as les horribles. Chaise, une jambe. Ça marche. Chaise, une jambe, ouais, c'est encore plus logique même. C'est très clair, on comprend très bien. C'est très clair. Bien mieux. Ok, on respire un petit peu. Alors moi, je sais plus, j'ai pas accès aux commentaires. Enfin, je les vois plus, donc je te laisse au cas où me driver si jamais il y a des... Bah pour l'instant, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de smileys qui pleurent de rire. Je pense qu'il y a du foutage de gueule sur WAM. Ah, c'est sûr, parce que ma position aussi, hein, de chaise à une jambe était foireuse totalement. Mais voilà, si vous nous rejoignez, s'il y en a qui nous rejoignent seulement maintenant, on est en cours, on est quoi? On a fait aller un quart du cours là? Ouais, on a fait un quart. Non, un peu plus quand même. Il nous reste 3 Tabata. Ok, ok. On fait que du Tabata, que des enchaînements de Tabata. C'est Hakim qui nous fait son petit Tabata. Exactement. On dirait un plat libanais. Exactement. C'est moi qui vous fais la shakshuka Tabata, à savoir que le haut et le bas. Et là, on va partir sur un exercice où il va falloir, donc, celui que, à mon avis, enfin, celui que tu as découvert il n'y a pas longtemps, avec moi, il me semble, sur le mouvement où on est en position de gainage et on va toucher l'intérieur de ses pieds. Ah oui. Voilà, donc celui-là. Attends, il y a deux teams, Hakim. Il y a Maxence qui dit, vous êtes plutôt team pneu ou team armoire. Un maximum de pneus ou d'armoire, hein, en commentaire, s'il vous plaît. Moi, je pense que la team pneu, elle va se réveiller d'un coup, tu vas voir. Qui a un pneu chez lui? Mais qui a une armoire qui a deux doigts de tomber sur sa famille? Et surtout, il y a un autre monde à l'intérieur, je te rappelle. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un portail interdimensionnel. C'est vrai. Bon, je vous montre l'exercice. Il va falloir se mettre en position de gainage, aller toucher l'intérieur de ses pieds sans s'arrêter. Ouais. Ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième, je sais que celui-là, tu ne vas pas l'aimer parce que ta souplesse est légendaire, mais il va falloir tout simplement tendre les jambes et aller toucher la pointe des pieds. Ok? Allez, j'irai toucher la pointe des genoux. Voilà. Si vous n'arrivez pas à dépasser la frontière des genoux, allez toucher les genoux ou les chevilles, peu importe. Essayez quand même d'avoir un certain mouvement d'extension vers le haut. On est bon? Ok, on est bon, on est bon. Okay. Alors vas-y, on se met en position de gainage. Gainage, on va partir sur le plank to touch. Allez, c'est là. Là. Je ne me fais pas si tu veux. Je nous mets un petit peu de son. Hop, parce que Jenadine m'a abandonné. Lâchement. Ok, let's go. Je suis pas dans le monde. C'est bon, c'est bon. Ok, on est sur le show. Allez, vas-y, on y va, on donne tout là. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On s'arrête jamais de toucher l'intérieur de ses pieds. Allez, on envoie. Et on touche, et on touche, et on touche. Allez, il reste 8 secondes. Il reste 5, 4, 3, 2, 1, et top. Ok, on s'allonge. Jambes bien droites, bien tendues. On va toucher l'extrémité de ses pieds. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on envoie. Pensez à respirer. Montez vers le haut. Celle-là, elle bouge plus. La pauvre. C'est toi là-bas. 3, 2, 1.
Allez, c'est parti. Comme ça, mais ça s'appelle. Et on enchaîne. Allez, on serre les abdos. Vous ramenez les genoux le plus proche possible de la poitrine et vous touchez l'intérieur de votre pied. Et top. On switch de position sur le dos tout de suite. Allez, on donne tout, on donne tout. Bras tendus. Et c'est parti. Allez. Allez. On serre les abdos. Oh. 8 secondes. 3, 2, 1 et top. Oh la vache. Oh, il fait mal celui-là qui m'a chaque fois, putain. Et c'est pour ça que je te le refais faire. Pour t'améliorer. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, pas de pause, pas de pause. On enchaîne. Oui. Les deux exercices ont vocation à travailler. Les abdos, profitez-en. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Hakim. On met sur le dos, ouais. Il en reste combien à des tours là? Il en reste 3. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Allez. On va toucher l'eau. Merci. N'hésitez pas à les toucher si vous le souhaitez. Les genoux. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Oh oh, allez. On repart, 5 secondes. Mettez-vous en place. 3, 2, 1. Arrête de crier, Stella. Il faut encourager papa et maman là. Allez. 10 secondes. Enchaînez, 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 enchaînez. Ne vous arrêtez pas. 4, 3, 2, 1, top. Oh. On se met sur le dos. Il en reste un dernier. Le dernier pour les abdos. Tout de suite, tout de suite. 4, 3, 2, 1. Let's go. Allez. On brûle les abdos, on brûle. Allez, 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 allez. Essayez de monter, pensez à votre respiration. 8 secondes. 3, 2, 1, et stop. Oh, ok. 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 Ah, on respire. Ok. Comment ça va de votre côté? Ça fait un peu trop de bruit. Il y a les enfants qui sont en folie, ils kiffent, Stella est devenue dingue. Ça y est, elle n'en peut plus, elle crie. Ok, on respire. Eh, franchement, là, les deux enchaînés, ils font bien mal hein, quand même. T'as vu? Parce que les deux, en fait, travaillent les abdos d'une manière différente. Oui. Mais les deux travaillent les abdos, donc au bout d'un moment, ça devient dur. T'as eu mal, toi? Ok. Ok, si vous êtes bon de 20, vous devez deviner au moins un des deux exercices qu'on va faire là maintenant. Fais voir, on a fait les abdos, on a fait les pompes, les bras. Là, il y a forcément un exercice de jambes, il y a genre les fentes. Non. Mais c'est pas un truc de jambes. C'est pas un truc de jambes. Comment ça, t'hésites? Quand non, tu regardes. Non, c'est un burpees. Non. Alors, regarde. Il y a un exercice pour les burpees, ok. Et l'autre, c'est le Superman, c'est un exercice statique, ok. Donc, les burpees, je vous montre. Le Superman, je vous montre et on attaque. Ok. On va commencer par les burpees. Les burpees, c'est un mouvement entre guillemets simple. Vous êtes en position debout. Vous allez tout simplement positionner vos mains devant les deux jambes. Basculer les deux jambes en arrière. Effectuer une vague et revenir en position initiale. Ok. Le but du jeu étant d'avoir un certain niveau, un certain volume d'intensité. Et le mouvement du Superman, dis-moi. Est-ce qu'à la place du Superman, Cyprien propose la raclette? Mais au sol et tu racles. Franchement, la Superman ou Superman versus raclette, je pense réellement que la raclette l'emporte. Donc Cyprien, je t'autorise à faire la raclette. Après, viens pas te plaindre dans 5 mois si tu demandes d'avoir le corps de Superman. Cyprien, il a beaucoup perdu. Il fait du sport tous les jours, sache-le. Alors je retire ce que j'ai dit. La raclette est autorisée. Alors, allez, vas-y, fais voir le Superman. Le Superman, je me mets sur un banc juste pour que vous puissiez avoir une meilleure
visibilité de l'exercice. Vous êtes allongé et vous tendez les bras ainsi que les jambes. Ni le buste ne doit toucher le sol, ni les genoux ne doivent toucher le sol. Vous êtes tout simplement en position surélevée. Ok, burpees, Superman, burpees, Superman. On enchaîne. Allez, on donne tout, on donne tout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est l'avant-dernier Tabata. Ça bouge pas, ça passe pour le burpees. Voilà, mets-toi comme ça, super, nickel. Ok, on attaque dans 10 secondes. Boum, boum, boum. 6 secondes. Burpees en premier. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne les burpees. Vous pouvez soit le faire avec la pompe, soit en faisant la vague, soit en faisant la moitié d'un burpees. Vous n'avez qu'à poser les bras et revenir direct. Allez, on tient. 4, 3, 2, 1 et top. Ok, mettez-vous au sol. On se met par terre. Allongez-vous. 3, 2, 1 et let's go. On tend les bras. On tend les jambes. La poitrine ne touche pas le sol. Les bras et les jambes sont décollés. Vous êtes Superman, vous volez au-dessus des airs. 7 secondes. Respirez. Serrez les fesses. Ne pétez pas. 3, 2, 1 et stop. Ok ? Putain, j'étais allé. Enfin, j'étais pas Superman qui va sauver la ville là. Déjà, c'est Superman. Te sauver toi-même. 3, 2, 1, let's go. Allez, burpees. On enchaîne. Ouh. Allez, 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 allez. 10 secondes. Allez, on craque pas. On accélère si on peut. On en fait encore un. 3, 2, 1 et stop. Ok. Superman. C'est dur les burpees. Ça. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Décollez les bras. Décollez la poitrine. Les genoux ne touchent pas le sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. Ok. On enchaîne dans 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et let's go. Allez. Serrez les abdos quand vous descendez au sol et que vous remontez pour protéger vos lombaires. 6 secondes. 3, 2, 1. Allez, on repart en Superman. N'arrêtez pas de votre côté, n'arrêtez pas. On est tous après, on débrief, après, on débrief. Hein. Après, on débrief. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Oui. Superman. Bras tendus. Bras tendus. Respirez. C'est normal si ça chauffe en bas du dos. 4, 3, 2, 1. Stop. Ok. Il nous en reste deux. Allez, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. 14 secondes. Maximum de burpees. Allez. 6 secondes. Allez, on accélère. 4, 3, 2, 1. Et stop. On break. Allez. Et on part sur le Superman. Sur le dernier exercice. Allez, c'est le dernier, on donne tout. Let's go. Allez. On tient bon. Allez, mon cœur. Voilà. Allez, on craque pas, on craque pas. 10 secondes. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et... Oh, oh. Ok. Hé, hey, Hakim. Ouais. Vraiment, je suis. Mon Superman était dégueu. T'as sauvé personne. Attends. Les burpees, mec. J'ai rien senti. Ah, tu vois. Mec, plus t'en manges, moins tu le sens. Ah, mais c'est un truc de dingue, mec. Avant, je te jure, rien que d'en faire 5 ou 10, c'était chaud. Ouais, je sais, je sais. Je t'ai dit. C'est exactement ce qu'on s'est dit à la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là.
Il y a des exercices que vous n'aimez pas faire, comme les burpees par exemple. Personne n'aime faire les burpees. Mais dites-vous une chose, plus vous vous l'imposez sur des entraînements, plus vous, entre guillemets, vous l'aimerez ou entre guillemets, moins vous aurez de difficultés à le faire. Ah, je suis en train de le kiffer. Ah oui, il faut s'entraîner. J'aurais jamais cru ça. T'as vu ça? C'est beau, hein? Putain, c'est ouf. Alors, tu veux que je t'explique quel est le dernier exercice? Vas-y, oh là là, c'est ça la surprise? Ouais, alors en fait, c'est une surprise qui n'en est pas vraiment une, mais c'est une surprise où je vais demander à chacun d'entre vous qui fait la séance avec nous d'être super honnête et de vous imposer quelque chose de dur. En l'occurrence, les burpees, si jamais vous estimez que les burpees, c'est l'exercice dur. Voilà l'exercice au dernier Tabata. Le but du jeu est qu'il va falloir choisir un exercice, il n'y en a pas deux. Vous choisissez un exercice qui vous met en difficulté, okay, ou alors une partie du corps que vous voulez vraiment bosser, et vous faites un Tabata entier sur cet unique exercice. Donc, on peut tous avoir ici un exercice différent, peu importe, mais choisissez quelque chose qui soit cohérent. Soit un exercice qui est très dur pour vous, et à ce moment-là, vous essayez de prendre la motivation nécessaire pour le faire, ça dure 4 minutes, ou alors une partie du corps que vous voulez vraiment travailler, comme les squats, enfin les jambes, le haut, peu importe, et vous vous dites, ok, je fais un Tabata de cet exercice. Mais il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un exercice durant l'ensemble du Tabata. Alors, tu choisis quoi? J'hésite entre pompe ou burpees. Et mademoiselle, madame, plutôt derrière? Les pompes. Les pompes? Audacieux. Ouais. On est face à une ex-tola ou quoi là? Une future. Une future. Ok. Alors, pour ma part, j'aurais franchement bien choisi les burpees, mais je sais qu'ils vont pas me faire mal aujourd'hui parce que je les sens bien. J'ai beaucoup fait les abdos depuis ce matin, 8h du matin. Donc, j'ai envie de me les cramer encore plus. Donc, moi, ça va être abdos. Et ça va être, à mon avis, quelque chose que je vais sentir parce qu'aujourd'hui, ils sont particulièrement brûlants. Donc, j'ai envie d'accrocher encore plus. C'est pas mal. Moi, je crois que en vrai, burpees, j'étais chaud. Mais comme tu as dit, je me sentais bien dessus. Alors que les pompes, j'ai galéré tout à l'heure sur les pompes. Ouais, ok, donc les deux, c'est les pompes. On fait pompe tous les deux? Ouais. Ok. Ça, c'est bon, ça. Alors, vous pouvez très bien, si vous choisissez les pompes de votre côté, vous pouvez très bien le faire sur les genoux, si vous le souhaitez. Ou alors, deuxième alternative, si réellement vous n'en pouvez plus, vous restez en position de gainage. Okay, ah ouais. Comme ça, vous n'abandonnez pas, vous êtes en position statique et vous ne bougez pas. De votre côté, vous tous, derrière votre écran, vous choisissez un exercice, un seul et unique exercice, et vous le faites durant l'ensemble du Tabata. Chacun aura son exercice. Pour ma part, je vais faire les abdos. On attaque dans quoi? 20 secondes? Vas-y, quand tu veux, on est chaud. Allez, let's go. Je remets du son et on va attaquer. Allez, c'est le dernier, les gars. On donne tout sur le dernier. On donne tout. Ok. 8 secondes. Attends, les jambes, j'ai pas mal du tout parce que je suis arrêté ça. Bah oui. On attaque dans 3, 2, 1 et let's go. C'est parti. Allez, on enchaîne. Le même exercice durant l'ensemble du Tabata. 10 secondes. Allez, faut essayer de se faire mal sur celui-là. Mal dans le tout. On essaye de provoquer un petit peu la douleur. Il reste 3, 2, 1 et top. Tu vois, mec, je suis déjà séché, quoi. Ah oui, ça va être dur. Hein. Franchement, les pompes, c'est vraiment pas le plus simple. Hein. Ok, 3, 2, 1, let's go. Allez, on enchaîne. Ouh. Allez, on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus et on essaye de provoquer une instabilité. 3, physique, 2, 1, stop. Ça chauffe. Allez, les tolards, on enchaîne. 3, 2, 1, let's go. Allez, tolards. Allez. Bien évidemment, il n'y a rien de péjoratif quand je dis les tolards, hein, comment c'est pas. Venant, j'ai une chatouka, ça ne dérange pas. Ouais. 4, 3, 2, 1 et top. Oh la vache. Pour ceux qui nous rejoignent, on est sur la fin de séance. Chacun a choisi un exercice, celui qui lui fait le plus mal. Et personne n'a le droit de lâcher. Let's go. On repart. Allez. 15 secondes. 10 secondes. 6 secondes. 4, 3, 2, 1 et top.
On est à la moitié, on est à la moitié. Oh la vache. Allez, on tient bon. 5 secondes. 3, 2, 1, et let's go. Allez, on tient bon. Il reste 10 secondes. 8, 5, 4, 3, 2, 1, et top. Oh la vache. Oh la vache, allez, accrochez-vous, accrochez-vous. On n'a jamais crié mon prénom comme ça, ça me fait plaisir. 5 secondes. 3, 2, 1, let's go. Allez, c'est parti. Vous êtes sur les dernières secondes. Il nous reste 2 rounds et demi. 8 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Il nous reste 2 rounds. C'est maintenant qu'on redouble d'efforts. Oh. On redouble d'efforts, on redouble d'efforts. Eh, comment ça se fait que t'es tout seul? Ah ouais, ok, je la voyais pas. Allez, c'est parti, on enchaîne. L'avant-dernier. Allez. Ah. 8 secondes. Oh la vache. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Il nous reste un dernier. Écoutez-moi bien, le dernier, il faut vous fusiller. Envoyez-vous en l'air. On attaque dans 3, 2, 1. Allez, allez. Le dernier. Après, il n'y a plus rien. Allez, on accélère. Et on accélère. Et on envoie. Allez, allez. Ah, ah. 6 secondes. Brûlez, insistez. Allez, 6 secondes. Ah, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Attends, j'arrive pas à attraper mon tel. Ah, elle était belle celle-là, elle était belle. Ok. Oh, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Putain, mais j'ai perdu des pecs, mec. J'ai envie de te dire franchement respect, parce qu'entre toi et moi, enfin entre vous, parce que vous l'avez fait à deux, celui qui a choisi l'exercice le plus dur, c'est vous, honnêtement, c'est les pompes. Alors comme je l'ai dit au début, chacun choisit son propre exercice en fonction de ce qu'il a envie de travailler ou ce qu'il veut faire. Et les pompes, honnêtement, c'est s'aventurer sur un terrain très dangereux, et vous l'avez fait, donc bravo à vous, vraiment. Vraiment, ah, bravo. Merci. Bravo, mon cœur. Je suis pas bien motivé. Bah, tant mieux, vous êtes là pour me motiver en retour, donc c'est cool, et j'espère que tous ceux qui étaient là derrière, vous avez fait aussi un exercice qui vous a été un petit peu pénible. C'était le but du jeu sur le dernier. Libre à vous de choisir ce que vous vouliez. Donc voilà, franchement. Hey, Maxence, t'as choisi quoi, Maxence, en commentaire? Oh là là, bah, ça m'énerve. Dis-moi ce que vous avez choisi comme exercice. J'aimerais bien savoir. Ceux qui disent, j'ai choisi les pompes pour faire genre, non. Il fallait me dire avant. Non. Arrêtez de mentir. Là, sur le live que j'ai fait juste avant, là, donc sur la source, quand je posais la question de savoir combien de squats ils avaient fait en une minute, ça me sortait des 96, des 95. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde est Dwayne Johnson. Ils sont tous The Rock. Cyprien nous dit, je suis devenu musclé. Merci Hakim, j'arrête de faire du sport maintenant. Ah, ça y est. Donc, ok, Cyprien, il a fait une séance et il s'arrête pour toute sa vie. Bon. Maxence, il a fait des pompes militaires. Chaud aussi. Ah, chaud. C'est bien. Abdo pour type, Vicky Abdo, citrouille pompe. Maxence, le pneu, ça n'a rien à voir, le pneu, Max. Maxence. Défocus du pneu, défocus du pneu, c'est important. Il va rêver ce pneu. Bon les gars, hey, c'était trop bien, comme d'hab, Hakim. C'était top. Alors si tu me le permets, j'ai un petit truc à, enfin entre guillemets, à annoncer. Et vas-y, bien sûr. Et en plus, c'est totalement entre guillemets dans l'air du temps, malheureusement, avec ce qui nous arrive en ce moment et la situation qu'on est en train de traverser. La dernière fois, donc je vous regardais en live avec Carlito et vous avez fait une journée de live entier pour récolter des fonds. Pour les associations et pour aider tout simplement à traverser cette, les hôpitaux, les hôpitaux, bien sûr. Exactement, les hôpitaux. Donc franchement, moi j'ai trouvé ça très beau et je vois que ça se mobilise un petit peu à droite, à gauche. Et je me suis posé la question de savoir, juste après votre live, comment moi je pouvais m'engager d'une certaine façon. Et je me suis dit, ok, avec l'équipe de La Source, on s'est dit, ok, pourquoi pas tout simplement engager La Source. Donc voilà, je vous le dis.
on a créé une petite cagnotte litchi, tout simplement, hein, avec les moyens du bord. C'est propre. Pour voilà, récolter un maximum de dons qu'on va donner. Donc, j'ai la petite feuille pour être sûr de ne pas me planter. Vas-y, pour vas-y. Pour la Fondation Hôpitaux Paris, Hôpitaux de France. Bien donc, sûr. Alors, on a un objectif, hein, avec, entre guillemets, notre visibilité qui est la nôtre. Hein. On a un objectif de 10 000 euros. Si c'est beau. Bravo. Les 10 000 euros, ça serait super. Allez, allez. Bravo. Voilà, donc vraiment, ça m'a, en voyant ce que vous avez fait la dernière fois, ça m'a vraiment boosté. Et avec l'équipe de La Source, voilà, on s'est dit pourquoi pas faire ça. Donc, je vais faire une petite story juste après, ce que vous pouvez retrouver sur le compte de La Source, avec un petit swipe up qui va directement vers un lien Litchi. Voilà, donnez ce que vous pouvez, 50 centimes, 1 euro, 10 euros, 10 000 euros si jamais vous le pouvez, bien évidemment. Nixlo, si tu nous entends. Donc. C'est trop bien. On va donc vas-y fais la story avec un lien. Tu mets le lien swipeable, c'est ça dessus. Ouais. Donc allez tous suivre le compte de La Source. C'est trop bien de faire ça. Je vous rappelle que Hakim et La Source, ils vous donnent des cours aussi tous les jours quasiment entre moi, Carlito et ce que les cours que tu fais sur La Source, il y en a quasi tous les jours. Ces cours ils sont gratuits, ils sont en ligne. Donc ils se donnent Hakim, c'est sa façon aussi. Donc si vous voulez participer à la cagnotte Litchi qu'ils ont montée, bah c'est chambé de toute façon un maximum de soutien aux hôpitaux, au personnel hospitalier, aux soignants évidemment, aux patients. On vous envoie de la force. Merci. On peut bien, ouais, Hakim. Merci beaucoup. Et, et puis voilà, en espérant que ça fonctionne et qu'on aille le plus loin possible. Mais bon, voilà, tout sera à retrouver sur les prochaines stories. Ne vous inquiétez pas, on va faire un petit lien. Ça va être super simple. D'ici là, donc la cagnotte sera accessible, il me semble, pendant une semaine. Donc okay. Vous avez le temps d'aller faire un crédit à votre banque, hein, si vous le souhaitez. Non, je plaisante. Voilà, rien, même ne serait-ce qu'un petit don de 50 centimes, c'est toujours bon. Mais d'ici là, voilà, nous, on se retrouve de toute manière tous les jours. Pour des cours de sport, que ce soit sur le compte de La Source, que ce soit entre guillemets, ma séance en one-to-one ou avec toi ou Carlito. Voilà, il faut essayer de prendre du plaisir, s'amuser comme on l'a fait en famille. Ça fonctionne très bien, comme par exemple Stella qui a fait une partie de la séance avec nous. C'était super. Voilà, ne vous mettez pas entre guillemets de bâton dans les roues personnellement. Chacun, il faut essayer de se bouger un petit peu et voilà, prendre du plaisir. Eh mec, ça l'a claqué la séance. Je l'ai jamais vu comme ça. On m'appelle le babysitter. Moi, je les fatigue. Ils vont dormir et vous êtes tranquille toute la soirée. Ok, vas-y, Hakim. On va enchaîner parce que là, je dois retourner bosser avec Carlito et tout. Mais merci okay. Nous. Merci pour la séance. Je la mets. Je mets le live disponible. Donc là, pendant 24 heures, ceux qui nous rejoignent que maintenant ou qui ont raté la séance, vous pouvez la refaire en suivant le live sur mon compte. Avec grand plaisir. Merci, et moi, je résumerai la séance en story fixe pour. Sous forme de plan de séance. Voilà, comme ça, vous avez les deux. Ouais, trop bien, trop bien. Ok, bon, allez, merci. Gros bisous merci à tout le monde. À et vite. On se voit demain. Allez, ok, ça marche. Ciao. Allez, courage, merci d'avoir suivi le cours à tous. Force, on donne tout, on est là, on est ensemble. Love.